Mbote bandeko balandia les avertis binu bozolanda biso partout nzamba pambola bino. Alors, je sais que ça fait longtemps que tu écoutes les sous soutiens dans ma vidéo à Sika, mais comme tu le bana bino makambo tous ta les archives, c'est-à-dire la parole de Dieu est tellement actuelle que makamunyo se tolobaka sous qui bouke na kata chaîne na biso ma vidéo attaque à la bota la vous allez toujours béni car je sais que ceux qui pampe le rata ba vidéo moussou sur tout ça kakala, puisque je me rappelle que ba vidéo moussou sur kakala isawana ba 2016 17 et 18 tout ça et deux fois ngamoko na zwa répété en kulandango vraiment ce sont des messages où ngamou e bénissa pengai donc na ko senga na onde ko pet ko e bibiso donc malamouté au côté na chaîne au tala quelques vidéos pour me camper que comment dire que ça s'en procurer ça je veux dire que passer temps vraiment à quand il y a un message et quand il y a un message d'abus il y a un message évangélique ezali un message un caractère peu informatif informatif ezali ça dit tout un formule no makambu donc oyo ezali comment dirais-je na quand il y a l'église na cadre de dénonciation tout ça bon mon message me super ali au que tu as lui expliquer makambu na cadre enseignement donc prenez le temps beaucoup mais comment qu'est-ce qui se passe là dedans et puis je vous annonce déjà que si tout va bien déjà semaine prochaine site nabisso les avertis.net et aux ongasus opérationnels car on a qui les avertis.net bobi qu'on a eu un problème technique il y a site wana yango pour le moment sur vos bêtises ces actes aux alatères moro mona makamusu na kati mais pour le moment sur au quotidien les avertis.net ils a donc en construction tout tongango malembe et puis toko pesabino ango tout wana zali kaka pona ko bakisa na maoto odia to liko sa na kati ya media to bakisa susu je veux dire n'est-ce pas na kati ya site ba message écrit et puis d'autres choses ba vidéo pesa na kati wana boko mona yango nzamba pambola biso nyonso ba o pe baza bato asika to bato plutôt ba biso déjà ndende na lobara toujours ta la vidéo avec un esprit de comprendre quelque chose ce qui au monique ezali compliqué to ali clair mingité ba question comme d'habitude botou na biso ba numéro na biso téléphone ezawana ndenge to lobaka biso to tcha ba commentaire te to ouais to bloquer ba commentaire pendant que pesa bino occasion ya ko ça ou tu une interaction na biso c'est-à-dire nous écrire par mail ou bien par ba messagerie ce qui peuple peut par exemple commis au monique na zo répondre te peut-être que ça que ba temps ezali un peu bousculé pour ma kamususu mais ce que commis vraiment tout ça l'effort pendant répondre à Bino et puis après on est dans le lobby s'il y a des questions à poser pourquoi pas avoir le temps aussi de parler au téléphone tout sur les gens au premier soin zambé à permettre en go avant que même na bandana tiki moumanyo tout parce que ma boka en colo yé mouka tambou sabiso na moli mounaye na komba yeshua te bon de libre amen voilà message à l'élo ezali message moko historique historique pourquoi et que sunga biso to comprendre bat o batambola ki na Yeshua poto mona biso mokope nde to tambola na Yeshua na molimo za ndenge ni sadi bat batambola na Yeshua na ndenge nzoto boye na ndenge physique to ye babango to meka kotala si a moi même to meka ko continuer vraiment dans la série ndenge na loba toujours puisqu'il y a des choses au pet ndenge na loba na bino par rapport ya thème to développer. Nous allons parler vraiment des 12 apôtres. Nous voulons parler vraiment donc des 12 apôtres de Yeshua, puisque la fois passée, je parlais avec mon frère, Tolobi et Tosoli, Tolobi, qu'il y a d'autres gens même qui ne savent pas d'autres noms des apôtres dans la Bible. Et ça faut d'abord noter, ça puisque tant que ça, que constituer bien que ça va écrit il y a donc il y a Bible je pense que bah tenaille compte par rapport à bah histoire ou bah Rekia qui paie sur place mais moi je ne crois pas que l'apôtre Moussous va commenter le côté je ne crois pas je pense que peut-être bah comment qui m'a remis à qui mouké ou bien soit bah mon aïe qui bah même idée bah comment qui ça pouvait comment dire être complété par Moussous ou peut-être bah comme dit bah Pierre net bah Jean donc bah bique bon bah mais comment dire bah mais
Donc quoi tribuan on pète na bango et puis après Ezaki avec une idée seulement que bah ma campus comme la biso mais je suis sûr que bah recherche wana ezali à 100% mais je veux pas vous dire que la Bible n'est pas 100% vraie. La Bible c'est la parole oyo batu ba barike ki tu ben la parole de Dieu, c'est-à-dire il y a des choses open à la Bible ezali un jour nous allons parler de ça même hein, pendant qu'on peut parler que sabino histoire ya Bible bah, tout ça bah émission déjà beaucoup dans la chaîne Bogomou, dans notre sabre émission par rapport à l'histoire de la Bible. Mais là, je veux réellement épingler le côté spirituel. Puisque j'ai comme l'impression que beaucoup de gens, malgré le concept de l'obaka, battant la Bible locale, la journal, mais beaucoup de gens continuent, n'est-ce pas, lire la Bible comme un journal. Il y a un moment où il y a des mingi, donc, hérésie, pesa mingi, malentendu, pesa mingi, et puis, contradiction, pesa mingi. Il y a un moment où on appelle même, prolifération, il y a doctrine, pesa mingi, il y a église, mingi, puisque chaque moutou, a son comprendre, ma mouna ndenge nae. Alors, moi, je pense que c'est important de comprendre les lots que la Bible, oui, ce sont des informations, qui par rapport à ce qui s'est passé, mais l'esprit de Dieu, Ezali, n'est-ce pas, na kat na biso tango to tanga la même phrase à mouke Yesu quoi qu'on explique, biso toi qu'on enseigne biso ya moni Yeshua a boye ko zwa risque entre guillemets ya ko tika le ko tika biso livre moko boye sorti ka livre et puis mutu moko a ibiango ou bien mutu moko a zui yango a comment dire donc a falsifier yango yengeza mabe d'où alobai que non je ne vous laisserai pas seul mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Pourquoi? Puisque lui, c'est lui qui va vous enseigner dans toute vérité. C'est-à-dire, la vérité que nous vous apprenons vient du Saint-Esprit. Ne vient pas seulement de paroles, ne vient pas seulement des écrits. Bah, écrit, ils ont le quoi information, mais l'étude, ou la révélation, ou bien l'idée cachée dans le écrit, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle au fait cela. Bah, apôtre, Bazali qui joue un rôle beaucoup makasi, n'est-ce pas, na katia foi chrétienne. Puisque déjà, du fait que tu es une foi chrétienne, le terme chrétien, et où tu es en Antioche, oyo ba tu es mboka wana en Antioche, ba benga ki n'est-ce pas, donc ba disciple par rapport à Bizel, par rapport à façon dont tu es là, ba bi ke bato, bazali ba chrétien, c'est-à-dire baza bato, ba kolanda idéologie, n'est-ce pas, il y a Yeshua. Donc c'est pourquoi l'autre bengami ba chrétien, mais biso tro ba mingi disciple, pourquoi, puisque nous connaissons notre maître, yango moni, ezali religion te, mais ezali mode, ezali mode ya vie, ezali religion te, mais ezali donc le christianisme, c'est pas une religion, n'est pas religion, tout le monde a comme bouddhiste, bah islam, ce qui non. Donc christianisme, oh yo biso tozo lo balelo, yali bat oh bali ko ndima. Donc divinité à Yeshua. Bato bali ko ndima que nous étions autrefois pécheurs, autrefois païens, mais Dieu nous a, n'est-ce pas, racheté au moyen du sang, n'est-ce pas? Il y a moana na yo yazaki yemoko bien sûr, mais il s'est rendu, n'est-ce pas, moana pour ala tanzoto ya biso bato de façon que nzoto wana tangu makila na ngoko tanga ne pesa biso lobi ko n'est-ce pas la croix. C'est pourquoi je suis en train de vous dire ici que mode ya vie ou bien vie na biso ezali n'est-ce pas vie au Zanakati à Yeshua. C'est pourquoi, puisque le baraké non, toi libre chrétien peut-être, oui, par appellation, mais nous sommes plus des disciples de Yeshua. Bon, retenir le Kouana. La Bible nous dit dans le livre d'Ephésiens, chapitre 2, Ephésiens, chapitre 2, ceux qui ont eu temps, ont vraiment, hein, donc, passage, donc, Mobimba déjà, ils ont très capital. Passage Oyo, yo attend que moi dans l'ensemble, yo attend que disciple en colo, on comprend que Ephésiens 2 Oyo, ils ont le bel abisso vraiment net fondement en abisso. Bon, pendant qu'on peut s'abîmer un peu, quand tu as maïna monoko, nazoa Ephésiens chapitre 2, verset 1, mais n'a pas sauté, n'a qu'une version de l'ingana tang l'abino. Verset 2, non, plutôt verset 1, il y a Ephésiens 2 et l'obiboué. Dans la bandeli, Ephésiens chapitre 2, verset 1 et l'obiboué. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pour continuer, hein, pour sauter, je vais dire tout qu'il y a un verset. Donc
14, par exemple, Ephésiens 2, 14, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, 16, et de réconcilier l'un et l'autre à un corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons donc les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, je veux dire, de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua lui-même étant la pierre angulaire. Donc, tout ce qu'on a ta place. Ephésiens chapitre 2, oh, c'est très, très capital. Donc, verset donc 20, des autres intéressants, pour la émission, on a le but. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire les apôtres, donc, les apôtres, et puis le prophète, il m'a commis, il y a avant, m'a commis, il y a ancienne alliance, bien ancien testament. Voilà. Maintenant, avant toi avancer, il faut te comprendre le komoko. Bato balanda balanda ka mission na sala déjà ba koé ba que ngai na lobaka boyé selon ce que l'esprit me convainc. Son na zana erreur nzamba limbisa ngai na loba boyé. Normalement lelo na 2022 mutu nyonso aza ko se dire assemblaka andimela Yeshua. Il faut que tu aies des disciples. Tu comprends vraiment très bien. Na bandeli raisonnement ou bien idée. L'esprit me convainc. Ce qui est que je suis en train de faire, mais l'esprit de Dieu me convainc depuis longtemps, m'a convaincu déjà, pour dire ça au passé, que normalement, tant que tu es présent, et bongi, tu es bazala ba disciple. Pourquoi? Tosui Matthieu chapitre 28, verset Nango 19. Je crois que c'est ce que le Seigneur Yeshua dit. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple, tous les peuples. Pourquoi je vous dis ça? Puisque ceux qui n'ont pas ni thèse dans le but que normalement, tous ceux-là qui sont appelés aujourd'hui chrétiens doivent être, je veux dire, disciples. Pourquoi? Puisque Yeshua a pesa qui responsabilité dans le groupe Yabatou, Moko Bazaki 11, donc 12 moins 1, 11. Plus 12e avec remplacer ça Paul. On est selon vous m'appelez Saint-Esprit puisque beaucoup est que après liwa ya Judas bon que nani Pierre na ba apôtre sous bazwa qui option n'est-ce pas ya ko sala nini tirage au sort pour on va remplacer 12e donc 12e apôtre na place ya Judas. Et pourtant, on a quatre actes des apôtres, je pense, chapitre 2 déjà. Bon, au moins, on a que tirage au sort, on est quoi qui n'a Matthias. Mais tant que tu continues l'histoire à Matthias, bon, on a que Matthias, c'est l'histoire, on a eu qui place, on a kaka. Mais après, tu vois, au moins, on a que apôtre Paul, Oazaki, physiquement, quand on a Yeshua,
mais Yeshua bengaki na kati ya molimo selon programme selon plan et Yeshua a bakisa na kati ya nombre ya les 12 wana. Pourquoi? Puisque quand nani Paul avant a donc abanda musala il a fallu akutana na bande kuna ye bien que pour donc au début bande ko rejeté ba comprendre qu'il était vraiment leur frère. Bref, liko ba awa que tozaki na bato ki 11 o nzambe Yeshua tindaki basala le donc batu les disciples. Maintenant là où d'autres gens ne comprennent pas, ezali boye. Toi ba don spirituel les ebel na kati na biso. Tangu batu baza ko confondre ba don na ba appel, yango mo de fois ça ka makambo bele bele na katima esprit en Zambé et conduit ba obaza ba na Zambé. C'est pour quand même vous verrez que même na kati ya ya ba apôtre bo mona que Pierre na ko benga batou donc mes frères et puis pas équipé donc ba dirige ba on ba ko zoa apostolat lokola vraiment mission au Yeshua pesa ki bango et puis aki mission, c'est-à-dire c'était pas comme un titre au ba peut-être ba tout le lo ali ko tizango donc abusivement. Alors que ce que je voulais dire exact terme sous mais na me kampe ko fongola parenthèse oyo ya likambo auto bengi na Ephésiens chapitre donc 4 verset donc 11 place n'est-ce pas la Bible nous dit que Nzambe atindi ba don, hein, c'est-à-dire Yeshua pesi ba don na batu ou ba pesi ba don na batu ba ko tanga ba misu ba apôtre misu ba li ba pasteur ba docteur ezan ngoma bete ezan na kati ya wana za ba don ezan na kati ya batu. Mais ce que je suis en train de dire c'est ali que non d'abord au ko za la pasteur te que sans la disciple. Mais ce que nous voyons aujourd'hui c'est pas le cas au ko na mutami bengi pasteur mazo se comporter le ko la pire donc pire même que païen. Au moins, on a mis Bengi prophète parce que se comporter le roi marabout. Au moins, on a mis Bengi apôtre parce que se comporter le roi. C'est-à-dire, et longue un aspect, n'est-ce pas, il y a service, puisque service est comme qui s'apprend au sein, ça, n'est-ce pas? Si on a mis comme ce service, comme ça, on dit usurpation, c'est-à-dire, le roi a abus du pouvoir. Ils ont perdu de sens. Il y a un moment important que nous avons à terre et nous ou bien nous disons que nous avons un don ou nous avons un don. Ce que nous avons un don, nous avons parti à Misala. Tant que nous avons un don, nous avons un don. Bref, tu as une parenthèse, tu as une question par rapport à nous, tu as une question développer nous. Donc, terme oyo na zo ba disciples, c'est très important. Pourquoi? Puisque même ba apôtre, avant Yeshua, après sa mission, il a fallu ba disciples. Or, disciples ali, de ti élève, de ti apprenti, a zo landa maître. Maître a zo pesa, n'est-ce pas? Comment dirais-je, comment ko tambola, mokilizan denginini, comment ko se comporter, c'est-à-dire maître a zo pesa cours. Parce que disciples, en tant que tika la rabongo, au fur et à mesure a zo kola, ba ko pesa n'est-ce que responsabilité. Yango bango ndenge bazaki wana donc ils étaient des apprentis et puis tant que baiko pesa bango n'est-ce pas responsabilité auto bengi apostolat niko bako non ils a envoyé motindami tant azako pesa bango mission na Matthieu 28 on a tel kotanga c'est-à-dire azako aller c'est-à-dire azako pesa bango donc etindabi azako pesa bango donc mission bakende c'est-à-dire bazali ba tindami ya Yeshua. Donc il y a un bengi apôtre. Apôtre, c'est exactement que comment dire j'ai créé ma église, toi fondateur ma église, non c'est pas ça. Apôtre ali mutu oyo Nzambe atindi, Yeshua atindi, envoyé. OK? Alors sikoyo ngai nanga kina na sabwe. Ndito bito ko lobela ngo ezalo ko la série. Tu peux ça ba combo n'est pas ya ba apôtre ngonan. Hein? Pour nous, nous avons évité de jouer avec mon frère, tout seul, tout le monde. Nous avons évité. Ce n'est pas que ce que nous avons évité, ce n'est pas ça, mais ce que nous avons évité, c'est que nous avons évité. Donc, tout ça, pour nous, nous avons compris, nous avons évité à Matthieu chapitre 10, verset 2 à 4. Donc, Matthieu chapitre 10, verset 2 à 4, pour nous, nous avons compris, n'est-ce pas, il y a un apôtre. Donc, tout bandit, voici les noms des 12 apôtres. Matthieu chapitre 10, verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, oye sabengaki Pierre, et puis son frère André, et puis Jacques, na Jean, bariba frère. Jacques, na Jean, bariba frère, papa na mon koumé zéki Zébédé,
maman mon comment les qui donc Salomé ou Azaki même hein tangou comment dire parmi basu bazaki donc na c'est à quoi maman il y a Jacques na Jean Azaki Peona et Jean Azaki Oyo encore comment Apocalypse et puis Philippe na Barthélemy Thomas na Matthieu Matthieu O, Matthieu Azaki collecteur et donc il y a ben po Jacques Moussoua. Ça dit bah tu me bah confondre avec soit qui Jacques parce que Jacques avait comme il y avait deux Jacques. Donc Jacques fils de Zébédée, on m'a dit fils de Zébédée pour ça la différence n'en déconne Jean et puis le Jacques fils d'Alphée et Thaddée. Thaddée pas Zaki, n'est-ce pas? Donc je vais dire Zaki P disciple et puis Simon ou bien qui les élèves et puis Judas l'Escariote. OK? C'est-à-dire Judas l'Escariote ou Ateka qui est sous Simon ou avec les élèves Jacques fils de donc d'Alphée Natadé Philippe na Barthélemy Thomas na Matthieu Jacques fils de Zébédée na son frère Jean bana ya Zébédée na Salomé et puis Tomoni Pierre na André. Ce sont là vraiment le 12 noms oyo bazaki ko constituer équipe forte, n'est-ce pas, ya Yeshua. Maintenant okomona que na bango nyonso, même leur façon de travailler c'était pas la même. Chaque mutu avait reçu une mission particulière. Siko tangu toko kota na ba parti ya koeba qui a fait quoi, ne te comprendre que Nzamba tala kate mutabandaki liboso. To mutu ayaki na katikati. To mutu ayaki kota suka. Nzamba tala ka mutu ndenga kuzumi pesa. Ndenga zo sala musala na ye. De to mwona ki apotre Paul. Il dit même que non. Na yaki sima le moindre. Mais je travaille plus que tous. Pourquoi? Puisque il avait une autre consécration. C'est pas dit que d'autres n'avaient pas de la consécration. Mais lui, il avait reçu une autre. Je vais dire une. Comment dire? Il avait reçu donc une consécration extraordinaire. Tout le monde même après. Alors, ce que je veux dire dans la première partie à Zanisa, c'est que tout le monde comprendre vie, il y a un apôtre sur la terre, il y a un apôtre qui persécuté, il y a un apôtre qui est persécuté. Et tout le monde a travaillé dans l'évangile avec eux. Donc, dans la paix, dans la quiétude, je vais dire, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, sans pourtant bah, inquiéter Bissot. Mais est-ce que ceux qui te comparent, ce qu'on attend à Bango, dans la persécution, on a tout le monde qui, est-ce que c'était vraiment Bango, est-ce que nous faisons les mêmes choses? Est-ce que tout ça, qu'on atteindre le niveau, même il y a, qu'on répandre l'évangile? Ou bien tu as travaillé pour Mabou Bissot. Donc, au moins, que Pierre n'a pas fait une. Donc un groupe de gens qui s'appellent qui se disent que non ce sont des donc c'est pas des pierrets bien des pierrettes n'a habité ou bien Paul n'a pas fait donc comment dirais-je bateau ben Pauline n'a habité ou bien soit Jean n'a pas fait un groupe de gens pour comme ça une secte, c'est-à-dire ces gens travaillaient vraiment avec un amour de Dieu en faisant la comment dirais-je ne suivant que la volonté de Yeshua. Donc, première partie, tout ce qu'on a, Isaac Mukuse, c'est mieux tout ce qu'on a, de continuer à partir, nous supporter, bah travailler avec Ndengenini. Comment est-ce qu'ils étaient mis ensemble? Pourquoi est-ce que l'autre monde a pour prolifération, il y a l'église de Belole, que tous à la Bissot, Mokubis sont ensemble? Pourquoi est-ce que Bissot, Missou, sont au Kitab, l'église, Isaac, dirigé par Batou? Qu'est-ce qui fait que toi, Yeba, le vrai et le faux disciple de Yeshua? Toi, dans ton monde, on a Kati, n'est-ce pas, série, Oto Bengi, les 12 apôtres. Pour la première partie, tout ce qui place, Yuana, s'il y a des questions par rapport à la première partie, Obotou, Nabiso, bah, numéro Zawana, bah, mais les Zawana, tu vous engagez, tant que tu la deuxième partie prochainement, tu peux expliquer Binobé, tu peux sa réponse selon ce que Dieu va nous conduire. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Soyez bénis au nom de Yeshua. Shalom.